génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. Alors, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Si tu le crois, lance un cri de joie vers lui. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu nous l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, nous sommes une génération appelée, appelée pour montrer son excellence. Pour montrer son excellence. Oh, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Dieu te l'a donné car je sais qui je suis. Alors, je sais qui je suis en Christ. Je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, ce que j'ai en Christ, je suis en Christ, je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche, je marche, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je sais qui je suis. Et je marche, je marche, je marche avec puissance. Et j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Alors là, c'est notre partie. Choisie. Regarde ton voisin, tu es choisi, tu es choisi. Et nous pouvons nous tenir sous la même bannière, la bannière de notre Papa Céleste, qui nous permet de se réjouir en lui et ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à vous réjouir? Voulez-vous réjouir ou pas? Ok, je vous propose de faire un tour du côté de l'Afrique. Non, c'est très facile. On va louer notre Dieu ensemble. Allez, on y va. Ça va être bon. Toi aussi en ligne, tu peux préparer tes petits pas de danse. Hein. Yeah.
yeux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mais c'est ensemble, je chanterai. J'ai fouillé, il n'y a
Est-ce que quelqu'un veut une parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une parole de Dieu? Parce que là, vous chantez, vous louez, vous dansez. Mais ce soir, demain matin, il y en a qui vont déprimer à 360. Alors c'est important de recevoir une parole de Dieu, un mot d'encouragement, quelque chose de précis. Et en fait, il y a des... Écoute bien, toi qui es en direct, je voudrais te parler à vous qui êtes en ligne également, ici en présentiel. Il y a des périodes de nos vies où le seul mot que Dieu te donne, c'est le suivant. Ce n'est pas le moment de craquer. Écoute bien, je te parle à toi qui es devant ton écran, à quelqu'un, regarde ton voisin, ta voisine si vous êtes dans la salle. Ce n'est pas le moment de craquer. Et tu vois, tu peux soit le prendre comme un encouragement comme ça au hasard, ou soit tu peux dire, ok Dieu, je prends la parole. Je reçois et je vais te dire, il y a des secrets que Dieu veut te donner aujourd'hui, des révélations, parce que quelqu'un a besoin d'un encouragement. Et c'est pour ça que ce message est différent des autres messages. Il va y avoir une espèce de louange permanente, toi qui regardes ce message en ligne, mais je voudrais que même dans la salle, vous soyez co-acteurs du message. Soit vous le prenez, soit on perd tous notre temps. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dedans? Quand Dieu te dit quelque chose, c'est comme une corde qui jette. Soit tu attrapes la corde et tu te lèves, ou soit tu passes ton tour et tu te noies. Vous êtes prêts? C'est une période troublée. C'est une période troublée. Peut-être les mois que tu vis sont des mauvais mois. Au travail, il y a des tensions. Peut-être quelqu'un dans ta famille. Même des personnes sur lesquelles tu t'appuyais, tu les vois plonger. J'ai vu une émission, je voyais Karine Lemarchand qui disait ceci, c'est l'époque où tous les couples se séparent. Il y a eu le Covid, tout le monde a fait semblant de rester attaché. Puis là, ça explose de partout. Il y a des personnes qui vivent des troubles dans leur santé, des troubles au travail. Et c'est pas facile de s'accrocher à Dieu. Alors le message que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, c'est le suivant, ce n'est pas le moment de craquer. Il y a un homme de Dieu dont on va tirer cette leçon. Cet homme de Dieu, c'est Élisée. Ça se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. C'est un message pour toi aujourd'hui. Le prophète Élisée, il vit une époque horrible, un petit peu comme il s'est passé le 7 octobre en Israël. Vous savez, quand les terroristes du Hamas sont venus, ont enlevé femmes, enfants, vieillards, avec des viols, avec des massacres, avec des personnes brûlées vives. Il y avait déjà cela en Israël, il y a presque 3000 ans, en moins 850. Il y avait c'était pas à partir de la bande de Gaza, c'était à partir du sud de la Syrie, et c'était le roi Ben-Hadad qui faisait, on pourrait dire, l'ancêtre de Bachar el-Assad. Et il venait, et il y avait déjà des pogroms. Et le prophète d'Israël, le prophète Élisée, devait remonter le moral de victime d'atrocité. Mais, première chose, il y a une grâce spéciale lorsque quelqu'un crie et est connecté avec Dieu. Voici, celui qui sait écouter Dieu évite bien des malheurs à ses proches. Première leçon, notez-le. Si tu sais écouter Dieu, c'est pas seulement toi qui vas être béni, mais c'est tes proches. Écoutez, je voudrais vous parler du bénéfice collatéral de prière. Souvent, lorsque l'on prie, on prie « Seigneur, donne-moi ». Et moi, je te dis que lorsque tu pries, ceux qui sont le plus au bénéfice de ta connexion avec Dieu, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ton travail. Parce que lorsque tu es quelque part, la lumière de Christ en toi jaillit sur les autres. Et tu t'en rends même plus compte. Élisée, parce qu'il était connecté avec Dieu, recevait des informations confidentielles du ciel. Et ceux qui étaient autour de lui étaient au bénéfice de sa prière. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, si tu es là ou si tu écoutes ce message, c'est peut-être parce que tu es au bénéfice de la prière de quelqu'un d'autre. Il y a une maman quelque part qui a intercédé pour toi et tu regardes ce message en cet instant. Écoute ceci. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il rassembla son état-major, il tint conseil avec son état-major et il décida « J'établirai mon campement à tel et tel endroit ». Il planifiait des attaques et des atrocités. Sauf que immédiatement, lorsqu'il faisait cela,
l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. » Qui lui a donné cette information ? Dieu. Personne d'autre. Regardez le verset d'après. Qu'est-ce qui va se passer ? Cela se produit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Lorsque j'étais petit, je me rappelle ce texte, ça m'a marqué ma vie. Ma mère lisait, dans l'histoire de France, on a connu une période qui s'appelait les dragonnades. Ceux et celles qui lisaient la Bible étaient persécutés à mort. Et on parle d'un moment où les soldats du roi Louis XIV étaient venus pour massacrer, pour piller et pour enlever, amener aux galères les hommes. Les femmes étaient violées, enfin, c'était un moment épouvantable. Et dans le château de la Rouvière, en l'an 1700, ça date un petit peu, il y avait un prophète qui s'appelait Abraham Mazel. Et à un moment précis, alors que la troupe était enfermée dans ce château, se pensait protégée, un traître avait mis du poison dans l'eau du puits. Et c'est sur révélation prophétique, ce jour-là, que tout le monde va être sauvé. Parce que le prophète s'est levé et il a dit, de la part de Dieu, ne buvez pas l'eau du puits. Il a été empoisonné par un agent du roi qui vous persécute. Tout le monde a été sauvé, l'agent a été démasqué, tout le monde a été sauvé. Il y a un avantage à traîner avec des gens connectés à Dieu. Est-ce que vous êtes entouré de personnes connectées à Dieu ? Il serait peut-être le temps de faire un peu de tri parmi tes amis. Si tu n'as que des amis qui te tirent vers le bas, tu as besoin d'amis qui t'amènent vers le haut, parce que tu seras au bénéfice collatéral de leurs prières et de leurs bénédictions. Il y a une faveur. Et je dis, il y a peut-être quelqu'un qui dit, pasteur, c'est exactement ce que je fais. Je prie pour mes enfants. Est-ce qu'il y a des mamans qui prient pour leurs enfants ? Est-ce qu'il y a des pères qui prient pour leurs... Vous savez ce que vous faites ? La bénédiction, elle est sur vous, sur vos enfants, sur vos petits-enfants. De génération en génération. Arrête de croire que tu es inutile. Tu sauves des vies par ta prière. Deuxièmement, celui qui sert Dieu est une cible particulière de l'ennemi. Là, on dit moins amen à ça. Moi, je préfère que celui qui sert Dieu protège les autres. Oui, mais lui, il prend cher. Vous en êtes rendu compte de ça ou pas? Lorsque tu sers Dieu, l'ennemi va mettre ta vie en danger. Le roi de Syrie convoqua tous ses officiers et dit « Ne voulez-vous pas me dire, qui parmi vous est du côté du roi d'Israël ?» Il y a un traître là. Parce qu'à chaque fois que je veux faire une razzia, ils sont prévenus. Qui les prévient ? L'un des officiers lui répondit « Personne, mon seigneur, mon roi. C'est Élisée le prophète qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le seul espion, c'est Dieu. Il donne le dossier. » Le roi dit alors, « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. » Et ce jour-là, la vie d'Élisée a été mise à prix. Et je voudrais te dire à toi qui es présent aujourd'hui, et à toi qui regardes ce message, ta vie est mise à prix. Pourquoi ? Parce que tu es en train de contrecarrer les plans de l'ennemi. Et Satan est frustré et ses démons t'ont localisé. Waouh ! 3. Dieu cache parfois certaines informations à ses enfants. Parce que le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et il vit une troupe qui entourait la cité avec des chevaux et des chars. Waouh ! Regardez la suite. Quelle va être sa réaction ? Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Il y a quelqu'un qui a peut-être dit, Adieu, Dieu, je ne veux pas aller à cette opération. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais rattraper ma relation avec cette personne? Tout fout le camp. Je suis en train de craquer.
Ah, et puis, honnêtement, tu as peut-être des raisons d'être fâché contre Dieu. Parce que tu as pris la barque, tu es rentré dans la barque, tu as fait confiance à Dieu et la tempête est en train de se déchaîner. Et tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet que cette tempête arrive. Écoute bien, si j'étais le serviteur d'Élisée, je lui dirais, hey, « Hé, monsieur le prophète, là, viens là, viens me dire pourquoi, quand c'est pour les autres, tu es capable de dire quand l'ennemi va arriver. Mais quand c'est pour nous, là, voyance, zéro, prophétie, nulle. Je ne comprends pas pourquoi, mais vous rendez compte que Dieu était capable de dire à Élisée où allait arriver l'ennemi, sauf quand c'est contre lui. Et c'est pourquoi il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui et qui se dit ceci. Quand je prie pour les autres, ça marche. Des fois, je n'ai même pas eu le temps de prier que je reçois le coup de téléphone. Alléluia, tout va mieux dans ma vie depuis que tu as prié. Et là, tu dis, quand c'est à mon tour de vivre l'épreuve, de monter dans la barque, personne ne m'a prévenu. Et tu écoutes ce message parce que ta vie n'a pas de sens, tu ne comprends rien de ce qui se passe. Peut-être comme Élisée, tu dis, mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas révélé une information qui était si importante pour ma vie? J'aurais pu me préparer. Si tu avais su que ça allait arriver. Et là, ce que l'adversaire attaque, c'est ta foi. Pourquoi tu as été capable de révéler aux autres les endroits où l'ennemi attaquait et Dieu ne t'a pas prévenu? Et du coup, tu te dis, mais peut-être que c'était que le hasard. Quelqu'un est arrivé aujourd'hui et s'est dit, peut-être que tout ce que je pensais de les révélations de Dieu dans ma vie, c'était juste des coups de chance. Peut-être que la guérison, c'était pas vraiment des guérisons, c'était naturel. Peut-être que quand j'ai fait ce choix-là, c'était pas Dieu qui me conduisait, c'était peut-être juste le hasard, un coup de chance. Et ce que tu te rends pas compte, c'est que l'ennemi qui est tout autour de toi a tissé sa toile, était comme dans un piège et aujourd'hui il veut attaquer ta foi. Il veut attaquer ta confiance en Dieu. J'ai qu'un seul mot aujourd'hui, et je te le dis avec tout mon cœur, ce n'est pas le moment de craquer. Si la mer se déchaîne, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie juste de dire, si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, même si ma barque m'entraîne, je n'aurai pas peur de la mort. Ferme les yeux en cet instant et fais cette prière. Père, alors que le serviteur d'Élisée a ses pensées obscurcies par tous ses cavaliers, ses chars. D'autant, c'était une belle petite ville. Regardez ces images. Je ne sais pas si c'est possible de me montrer ce que c'est qu'aujourd'hui la ville de Dothan en Israël. Mais vous imaginez comment ce matin-là, je ne sais pas moi, il est 5h, il est 6h du matin, le soleil se lève et ceux qui étaient des paysages verdoyants, vous voyez des hommes menaçants.
Vous entendez des épées et des lances. Vous voyez des torches enflammées. Vous voyez les meilleurs soldats de l'ennemi. Ce jour-là, c'était plus que les terroristes du Hamas qui étaient là. Il y avait toute l'armée du roi de Syrie. Il y avait les commandos spéciaux. Et t'as même pas une petite muraille. T'as rien du tout. Et quelle est la réaction du serviteur d'Élysée? La tienne. Passe-moi tout ensemble, s'il te plaît. Tu vois que les problèmes. Tu vois que les problèmes dans ta vie. Ce n'est pas le moment de craquer. Écoute cela, verset 16, on va le lire ensemble. Est-ce que c'est possible d'afficher le verset 16 comme une parole de Dieu que je voudrais que tu puisses prononcer au ce jour? Voici ce que dit Élisée à son ami. Il lui dit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Aïe, 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 je ne les vois pas, je ne les vois pas. Je te dis, par la foi et de la part de Dieu, ceux qui sont avec toi, que tu ne vois pas, sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Et à partir de ce moment-là, je ne comprends pas. Alors Élisée dit, il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre les yeux, change ses lunettes, enlève ses lentilles là, change la correction visuelle, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu, une armée à 360 qui vient de l'Éternel. Et toi, tu vois les ennemis, tu vois les terroristes, tu vois les attaques sur ta vie, tu vois la santé qui part en vrille, tu vois l'enfant qui répond plus, tu vois le travail où il y a des mauvaises ambiances, tu vois peut-être le compte qui est vidé, tu vois les problèmes, tu dis comment je vais passer Noël, et Dieu te dit, ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin de que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Pas les yeux de ta tête, seulement les yeux de ton cœur. Quelqu'un est venu en disant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et c'est exactement la question du serviteur d'Élisée. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'allons-nous faire? Dieu a entendu ton cri, mon ami. Et il te dit, mauvaise question. La bonne question 4, c'est pas qu'allons-nous faire, mais c'est qu'allons-nous voir. L'enjeu, c'est la vision. L'enjeu, c'est quelle vision? La vision spirituelle. Soit tu regardes au problème, soit tu regardes à l'armée du ciel qui t'entoure. Ah là là, non, non, vous comprenez pas parce que vous avez peut-être pas vécu ça. Mais tu peux être dans l'endroit le plus angoissant du monde si par hasard tu vois les anges tout autour de toi. Le stress diminue. En fait, je vais te dire, tu choisis. Je te propose deux états et puis après chacun est libre. Moi je suis pas là. Si vous voulez pas prendre la parole comme venant de Dieu, vous avez perdu une demi-heure, tant pis, hein, c'est votre problème. Moi je vous dis que soit tu choisis de regarder aux choses de la terre et dans ce cas-là, 1, ta solitude va être profonde. 2, ton inquiétude sera élevée. 3, ta qualité de vie sera abîmée. Tu veux ça? L'autre possibilité, c'est qu'au lieu de la solitude, tu vas voir l'armée de Dieu avec toi. Déjà, ça va mieux normalement. Parce que le problème, lorsque je vais sur une table d'opération, si jamais je crois qu'il n'y a que le chirurgien dans la place avec deux infirmières, eh, j'ai un peu peur. Hein. Mais si je sais qu'autour du chirurgien, tu as des men in black de l'Éternel qui sont là en disant, si tu la rates, tu vas... Ah là, tu dis, bon les frangins là, vous bossez tous, hein, les anges là. En fait, ce qu'il faudrait que tu dises, c'est le psaume 34, tout simplement. Tu prends le psaume 34, c'est la parole de Dieu, tu la prononces sur ta vie. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le cerveau vers lui, non, 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 non. Quand on tourne la réflexion vers lui, quand on fait des projets, non, non, non. Quand on tourne les regards vers lui. Tout est dans la vision, mes amis. Quand je regarde à l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Alors quand un malheureux crie, l'Éternel entend.
et il le sauve de toutes ses détresses. Pourquoi ? Est-ce que vous avez lu le verset 8 ? David l'a expérimenté. Nombreuses fois, il a failli mourir. Il était à ça de passer de l'autre côté. Et il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Est-ce que en un instant, quelqu'un qui dit je veux saisir cette parole, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Tu sais pas quoi ? Il s'est rendu compte de quelque chose. Au début, quand j'ai lu le texte, j'ai vu il y avait des chevaux et des chars de feu de l'autre côté des ennemis. Parce qu'il est dit que toutes les montagnes sur lesquelles étaient les ennemis, je ne sais pas combien il y avait de soldats, les commandos spéciales, la force spéciale qui était envoyée par Ben-Hadad. Je ne sais pas combien ils étaient, mais je sais que les anges derrière étaient des myriades de myriades. Mais ce que je me rends compte, il est dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. C'est-à-dire, je pense que les chevaux et les chars sont à 360 derrière les ennemis. Mais regarde, il y a comme un feu autour de ta vie. Toute arme forgée contre toi est brisée. Elle est nulle et sans effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a autour de toi. Moi, je ne sais pas si... Si tu es le serviteur d'Élysée, si je parle à la servante d'Élysée aujourd'hui, tu vois, elle est là en train de dire « Wow, il y a du monde en fait. Il y a du monde. Peut-être qu'en Guadeloupe, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Peut-être que là-bas au Congo, il y a une équipe là qui s'est réunie pour faire prière. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas ton prénom, mais ils sont en prière. Peut-être qu'à MLK, maman Joël, sans que tu le saches, elle a fait jeu des prières pour ta vie. » Et ça, c'est des humains, sans compter les anges. Mais tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Et du coup, imaginez le serviteur d'Élysée. Non seulement il voit au loin, mais il dit, il a vu les chars de feu autour d'Élysée. Alors, je ne sais pas s'il a fait un petit pas de recul. On dit, oh, c'est chaud ici. Parce que auprès et au loin, Dieu tient ma vie dans ses mains. Auprès et au loin, il tient ta vie dans ses mains. Il y a des anges au loin. En fait, mes amis, c'est pas toi qui est cerné, qui est encerclé par les problèmes, c'est les problèmes qui sont encerclés par les anges. Tes problèmes sont encerclés par des anges. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit, il n'est pas à côté de nous, il est en nous. Mais en plus, il y a les anges à côté. Donc, mes amis, tes ceintures et bretelles, ta double sécurité. Tu as le Saint-Esprit inside, à l'intérieur. Et t'as les anges outside, à l'extérieur. Et il y a double couche d'anges en plus. Et quand tu fais ça, ta vision change. Quand tu vois les anges et que tu saisis par la foi, parce que ce message, en fait, il n'a une puissance dans ta vie que si tu le fais tien. Le serviteur du prophète ce jour-là a dit « Je suis émerveillé. Est-ce que tu es prêt à t'émerveiller ? Est-ce que... Oh, on va se lever. Je vous retrouve dans quelques instants parce que je n'ai pas fini, mais on va se lever. Je voudrais qu'on puisse célébrer qu'il y ait comme une clameur d'adoration dans ce lieu, qu'on soit tous en train de dire « Je veux voir ta gloire, Père. » Est-ce qu'on peut juste dire « Émerveillé par ta présence. » Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas prendre tous tes problèmes et tu vas choisir de voir les anges derrière tes problèmes. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Impossible, émerveillé en ta présence.
personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Proclame-le, MLK. Tu fais. Tu fais de grandes choses. Et ton nom, toi le Dieu qui est puissant ton nom. Tu fais de grandes choses. Et ton nom, toi le Dieu qui est puissant ton nom. Je suis émerveillé par ta présence, par qui tu es. Tu restes toujours le même, Seigneur. Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux, lever tes mains et ouvrir les yeux de ton cœur pour voir l'armée du Seigneur qui t'entoure. Ce Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est à jamais.
plus chez toi, à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Est-ce que quelqu'un veut dire les cieux proclament la gloire du ressuscité? Tous les anges acclament dans le ciel. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur envers moi. Une dernière fois, les cieux proclament. Est-ce que cette salle peut proclamer, toi devant ton écran? Je proclame la gloire du ressuscité. Tu es le Dieu qui transforme la mort en vie, l'épreuve en louange. Est-ce que l'armée de Dieu qui est sur la terre peut applaudir l'armée du ciel dirigée par Jésus-Christ, le Seigneur des sauveurs? Alléluia! Alléluia! En fait, vous savez ce que je vois? C'est, on est un petit nombre sur la terre, un millier en salle, avec toi et toi et toi et toi devant ton écran. On est peut-être 10, 20, 30 000, 40 000, mais au ciel, il y a des myriades qui sont debout, après du trône de Dieu, et qui disent: hé les copains, on est avec vous, on est avec vous. Ça part de la terre, ça monte au ciel, du ciel ça descend sur la terre. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est pas le moment de craquer. Tu peux t'asseoir, mais c'est pas le moment de craquer. C'est pas le moment de craquer. Les anges sont debout, ils sont en train de bosser pour toi. C'est pas le moment de craquer. Tu peux t'installer maintenant, tu peux t'installer. Vous pouvez vous installer. C'est pas le moment de craquer. Vous savez ce que sont les anges? Les anges sont des esprits de Dieu au service de ceux qui vont hériter du salut. 5. Les anges de Dieu sont là pour apporter de l'aide à l'enfant de Dieu. Tu vas me dire, mais comment tu peux dire ça? Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Hébreux 1, verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, mais pas pour servir Dieu? Envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Les anges, ce sont les envoyés spéciaux, les forces spéciales du ciel. Ils sont au service de Dieu, mais dans ton bénéfice à toi. Waouh! La seule question que tu dois te poser, c'est: est-ce que je suis un enfant de Dieu? Mes amis, à celui qui a plié le genou devant Dieu et qui a dit: je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je galère dans la vie, mais je promets de faire tout mon possible pour toujours rester attaché à celui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. À partir de ce moment-là, tu as une assistance divine des armées célestes. Quel que soit le type de problème, ils ont géré plus dur que ton problème. Ils ont géré plus dur que ton problème. Et puis alors là, vient un moment très, très intéressant avant que je vous quitte.
très paradoxal. Parce que vous voyez, qu'est-ce que vous auriez fait si vous savez que vous avez une armée de réserve là, disponible, et que vous voyez en face les terroristes qui arrivent, vous faites quoi? Moi j'aurais eu tendance à dire, je vous dis la vérité, Seigneur, nettoie-moi tout ça, tu liquides le problème. Et le truc le plus fou, c'est que Élisée, lui, depuis le début, il voyait les anges. C'est pour ça qu'il était très calme. Le serviteur, lui, ne les voyait pas, puis maintenant il les voit. Mais les Syriens, les terroristes qui arrivent là, ils ne les voient pas. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les anges sont là, mais les seuls qui voient les anges, ce sont ceux qui sont connectés avec Dieu. Et Élisée ne va pas demander aux anges d'intervenir. C'est ça qui est très étonnant. Qu'est-ce que va faire Élisée? Les Syriens s'approchent de lui parce que, je vous rappelle, il est dans une ville non protégée. Ils arrivent directement. Il est sorti dehors. Il est 6h, 7h du matin. Ils sont tout seuls, lui et son serviteur. Ils voient les commandos spéciaux qui arrivent pour les embarquer. Et Élisée, il dit, papa, ouvre les yeux du monsieur à côté pour qu'il voit les anges et qu'il arrête de stresser parce que ça ne me sert à rien de faire quelqu'un qui fait pipi sur lui-même là. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui fait confiance à Dieu, d'accord ? Il reste, et les Syriens arrivent, ils arrivent, et il va faire une prière. Il ne va même pas parler aux anges. Il parle à Dieu, il ne parle pas aux anges, il parle à Dieu. Et il va dire, Éternel, frappe d'aveuglement toute cette troupe contre nous. Ne les tue pas. Tu leur fais perdre la vue que tu as donnée au monsieur. C'est génial. Il y en a un qui a retrouvé la vue, les autres ils l'ont perdue. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement comme Élisée l'avait demandé. Tu as une autorité spirituelle, mon ami, que si tu t'en rendais compte... Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, choisissez qui vous voulez être. Soit vous voulez être le serviteur, soit vous voulez être Élisée. Mais Dieu vous a appelé à aider Élisée, qui réalise l'autorité spirituelle que vous avez. Et du coup, les Syriens, ils sont à quelques mètres d'Élisée, ils perdent la vue. Donc c'est comme si la panique change de camp, en fait. Parce qu'ils ne savent plus où ils sont, les Syriens. Ils sont complètement perdus. Et Élisée sortit à leur rencontre et dit, « Hé, vous n'êtes pas sur le bon chemin, hein ? Ce n'est pas ici la ville que vous allez chercher, hein ? Suivez-moi, je vous amènerai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. 15 kilomètres. Il leur dit, « Les gars, on fait un petit voyage. » Vous imaginez, ils sont tous en train de se donner la main, là. Et ils font 15 kilomètres comme ça. Tu sais que tu as de l'autorité sur tes ennemis? Tous tes ennemis vont être comme ça, là. Ah, tu as l'impression que c'est une colonie de vacances, en fait, les ennemis, là. C'est une grande colo. Tous les démons que Satan veut envoyer contre toi, ils sont soumis à Dieu. Ils sont tous en colo, là. Ils se déplacent. Et ils les amènent jusqu'à Samarie. Alors, Samarie, pour le coup, c'est la place forte d'Israël. C'est là où il y a les remparts majestueux, c'est la ville bâtie avec le roi Akab, c'est là où les soldats du roi d'Israël sont là. Contrairement à Dothan qui était hyper fragile, là, Élisée les amène chez le roi d'Israël en position de force. Un drôle de plan quand même, hein. Quel est l'intérêt d'aller amener les ennemis là, en plein milieu de la ville capitale? Bon, il les a désarmés et tout, mais pourquoi il les amène? Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore, et il dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant, que l'aveuglement cesse. » L'Éternel leur ouvrit les yeux, et ils s'aperçurent qu'ils étaient arrivés à l'intérieur de la ville de Samarie. Donc là, pour le coup, les ennemis, les terroristes, là, ils sont en train de stresser complètement. Mes amis, qu'est-ce qu'ont fait les anges? Rien. En fait, je vais vous dire, l'armée des anges, elle était là uniquement pour remonter le moral du monsieur qui est à côté d'Élisée. C'est Dieu a mobilisé une armée d'anges entière pour que la situation soit sous contrôle, mais je pense que l'enfant de Dieu a la possibilité de comment les anges sont utilisés. Et voici l'intelligence d'Élisée, c'est qu'il n'a jamais utilisé la puissance de Dieu là pour régler ses propres comptes. 6.
n'utilise pas les anges pour frapper les autres. Et là, je vois, et c'est un des rares cas où Élisée va agir vraiment comme Jésus va le faire. Il va dire, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, faites du bien à ceux qui veulent vous faire du mal. Alors, Élisée les amène à Samarie et le roi lui demande, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, avec tous ces ennemis-là? Je vais les tuer, je les massacre. Comme ça, ils ne reviendront plus jamais. Et Élisée dit, mais est-ce que c'est comme ça que l'on fait? Au contraire, regardez le verset. Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils retournent chez leur souverain. Alors le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux. Ils mangèrent et ils burent. C'est un truc fou, ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, après, regardez la suite. Ils mangèrent et ils burent. Il les renvoya. Ils retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leur incursion sur les territoires d'Israël. En fait, je crois qu'on a plusieurs façons de vaincre l'ennemi. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, comprenez-moi bien ce que je veux dire, tout ne se règle pas par le combat spirituel, par le jeûne et la prière. Parce que si tu fais du combat spirituel, du jeûne et prière qui sont très importants, certains démons sortent par le jeûne et la prière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Certains, vous devez jeûner et prier. Mais ne rentrez pas systématiquement dans une attitude de combat. Parce qu'en fait, la plupart de vos armes ne sont pas offensives, elles sont défensives. La plupart des armes que vous avez, ce n'est pas pour attaquer l'adversaire, c'est pour défendre votre âme dont la foi est en danger. Regardez bien, quand il a dit, vous n'avez pas à lutter contre des êtres faits de chair et de sang, mais que contre des autorités, des puissances dans les lieux célestes. Prenez quoi? Prenez la ceinture de la vérité. On n'attaque pas quelqu'un avec une ceinture, hein? La ceinture de la vérité. Prenez la cuirasse de la justice. Prenez des chaussures de motivation, de zèle. C'est pas dangereux, ça. Prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches. Le casque du salut, c'est encore pour vous protéger, ça. Et après, seulement l'épée de l'esprit. 5 des 6 armes sont défensives. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui ne maîtrisent pas l'épée et qui coupent dans tous les sens, là. Un enfant de Dieu est quelqu'un dont la confiance en Dieu est tellement absolue que ni la mort, ni la vie, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni les puissances, ni ce qui est en... Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. Et quand je suis comme ça, encore une fois, oui, notre premier réflexe, c'est de vouloir taper. Tu as un problème financier, tu dis, qu'est-ce que je vais devoir faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Va louer Dieu. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et tu dis, Seigneur, pour tout ce qu'il y a dans mon frigo, pour le yaourt qui reste, dont la date s'achève dans 2 jours, je te célèbre. Je vais prendre ce yaourt-là et je vais faire comme si c'était le meilleur des gâteaux. En fait, transforme ta vie en louange. Et c'est ce que fait Élisée. En fait, il n'a même pas besoin de faire intervenir les anges. Mais Jésus ne les a pas fait intervenir non plus. Vous savez que sur la croix, Jésus aurait pu faire intervenir les anges. Il dit, je dis un seul mot, et les armées de mon Père viennent me défendre et m'enlèvent de la croix. Et les gars, ils le provoquaient, ils disent, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix, viens taper. Mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une dimension spirituelle. Mes amis, on est des bébés. On est des bébés. Vous savez, l'enfant, la maternelle, tu lui donnes une claque, il va taper. C'est comme si l'adversaire, il appuie sur toi, c'est comme un jukebox. Après, tu pars tout seul en vrille. Reste calme. Tu regardes Satan, il dit, tu m'as tapé la joue droite, là? Ouais, même pas mal. Mets-moi une deuxième si t'es un homme. C'est vraiment ce que dit Jésus, en fait. Et ça, mes amis, ce message est incompréhensible pour quelqu'un qui ne comprend pas l'autorité et le positionnement qu'il y a à l'intérieur de toi en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu crois que la maladie peut te tuer? Non, je te laisse le temps de réfléchir. Même pas vraiment. Parce que si au maximum elle gagne, à l'instant même, tu es dans le paradis avec Dieu en train de célébrer. Donc en gros, soit la maladie perd, soit elle perd. Est-ce que les finances peuvent te mettre par terre?
Psychologiquement, oui. Mais je te dis que je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendiant son pain. Il y a toujours un moment où notre Père Céleste, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin, même si c'est avec un corbeau, le corbeau sera à l'heure. C'est un positionnement qui fait que tu... je dois vous quitter. Voyez, une bonne vision est nécessaire, mais ça nécessite aussi une bonne stratégie. Parce que ça ne sert à rien que Dieu te révèle tous les anges et toute l'autorité si tu ne la mets pas en pratique. Regardez pourquoi la stratégie d'Élisée, je vous quitte là-dessus parce que c'est génial. En décidant d'amener les ennemis à Samarie, en amenant les terroristes et en leur servant le meilleur des repas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a dégoûtés de l'envie de faire du mal. Et au lieu d'avoir eu une victoire magnifique, parce que s'il avait fait la méthode d'Ivan, moi j'aurais dit tu me les shootes tous là. Tu me shootes tout ça et au moins ça fait ça au moins. Mais qu'est-ce qui serait passé la semaine d'après? Ben-Hadad serait venu avec une troupe deux fois plus grande. Ça sert à rien. Je vois, il y a des fois, c'est pour ça que même dans le livre de Jude, il est dit, lorsque vous combattez contre Satan, ne l'insultez pas, cherchez pas, c'est arrêter vos délires de gamin. Même Moïse, il est resté très poli. Satan, t'as juste un problème, t'as attaqué la mauvaise personne. Tu savais peut-être pas, mais je suis le fils de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi une tape, tu vas voir ce que papa va faire. C'est pas moi, hein? Mais papa, il va te mettre une raclée. Mais une raclée! Et là, le démon, il dit, bon, je vais au suivant alors. Lui, je vais passer parce qu'il est dangereux. Tu comprends ça? Le démon ne peut attaquer que quelqu'un qui craque. Mais un enfant, la fille qui dit, je suis la fille du Dieu Tout-Puissant. Je suis, il est dit, que mon nom est inscrit. Il a marqué Yeshurun. Tu sais, Yeshurun, ce que ça veut dire, t'es bien aimé de l'Éternel. T'es dans la paume de la main de Dieu. Rien ne pourra nous ravir de sa main. Et... Donc n'utilise pas n'importe comment les ressources de Dieu. L'intérieur. L'intérieur. Et le temple du Saint-Esprit. Et aucun ennemi n'a droit de rentrer dans ce temple. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je voudrais qu'on puisse lire un texte qui va s'afficher sur les écrans. Ça sera notre déclaration de foi pour partir. C'est une parole de Dieu pour quelqu'un en cet instant. Et prends-la comme si c'était une lettre que le ciel t'écrivait. Voici ce qui est écrit. Mais toi, dit Dieu, je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine. Ah, je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. Et je t'ai dit, tu es mon serviteur. Dieu dit, tu es ma servante. Je t'ai choisi, c'est pas pour te rejeter après, hein. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, la main de ma justice. Les amis, lance-moi j'irai. Il y a une puissance qui travaille pour toi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé sans relâcher ton amour, n'abandonne. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Constance, je serai comblé car tu es.
que toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monstres dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire j'irai? Parce que vous venez de chanter j'irai. Et moi je vais vous dire la vérité. Tout à l'heure je ne savais pas ce que ça voulait dire. Enfin j'étais pas très sûr. Alors j'ai pris le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu j'irai? Moi je croyais que c'était l'éternel pourvoira. Et ben le mot en hébreu c'est voir. Et l'addition des lettres j'irai fait que voir te donne le pouvoir en Dieu. En fait, quand vous dites l'Éternel pourvoira, il ne peut pourvoir dans ta vie que si tu choisis de le voir. Donc, change de lunettes. Dis à ton voisin, ta voisine, déjà, t'as bien fait d'être là. Et c'est pas le moment de craquer. C'est pas le moment de craquer. Tu peux t'installer. C'est pas le moment de craquer. Il y a des moments comme ça. T'es trop près d'être béni pour partir maintenant. Trop près d'être béni. Bon, allez, je vais faire un truc que j'avais pas prévu, mais je vais raconter une blague. Ça, c'est pas très spirituel après un moment comme ça, mais moi, ça m'a marqué. C'est une petite blague que j'ai apprise à l'école, mais ça m'a toujours aidé dans ma vie spirituelle derrière. C'est deux personnes qui veulent sortir d'un asile psychiatrique où elles sont enfermées. Et l'asile psychiatrique, il y a 7 murs. Il y a 7 murs à franchir avant d'être dehors.
Et les deux fous, là, ils ont envie de partir. Ils sautent le premier mur. Ah, c'était chaud, mais ça va. Ils sautent le deuxième mur. C'était chaud, mais ça va. Mais il y en a un qui a mal un petit peu à la cheville parce qu'il est mal retombé. Mais il dit, allez, c'est bon, on y va. Ils font la courte échelle, ils font le troisième mur. Il a dit, purée, ça finira jamais, ces murs. Ils font le quatrième mur. Et le cinquième mur en bas, bam, il s'écrase, il est griffé, tout ça, il est mal, il y a des ronces et tout. Il est comme ça. Ils disent, on fait le sixième. Sixième mur. Et là, au sixième mur, les deux, ils tombent l'un sur l'autre, ils se brisent. Et vous savez ce qu'ils se disent? C'est trop dur, on repart dans l'autre sens. Bienvenue les chrétiens. Vous êtes beaucoup trop proches de l'intervention divine pour faire le chemin dans le mauvais sens. Moi, ça m'avait parlé. Je fais une dédicace spéciale, pardonnez-moi cette... Écoutez, c'est pas le moment de craquer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est d'une simplicité, mais si vous le prenez comme une parole de Dieu, ça fait votre journée. Et normalement, ça devrait vous aider à tenir. Si quelqu'un a besoin de prière, sachez que tu n'es pas seul. Il y a non seulement des anges qui sont auprès du Père, mais il y a également ici, sur la terre, une armée qui prie. Je remercie Christine Pioget et tout le service MLKVI, Maman Joël et tous ceux qui prient et qui intercèdent. Si quelqu'un a besoin de prière, vous qui êtes en présentiel, venez sur le devant. Et si tu es en ligne, tu n'es pas seul non plus. Envoie prière@eglisemlk.fr. Il y a une armée qui prie pour toi. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un inconnu. On s'associe à l'armée du ciel pour prier pour toi. Je voudrais remercier chacune des personnes ici présentes ou quelqu'un devant son écran qui est fidèle aussi dans ses dîmes, dans ses offrandes. Vous ne pouvez pas savoir combien vous nous aidez. Vous êtes notre oxygène. Sans cela, MLK s'arrête. Si jamais vous ne donnez pas, on meurt automatiquement. Je veux donner.fr, je voudrais vous remercier. On est dans une période de fin d'année. Je voudrais dire à tous nos amis qui, par la grâce de Dieu, payaient des impôts, c'est une chance, c'est une grâce, que si vous donnez à l'église MLK qui est reconnue par l'État, comme association cultuelle, vous pouvez avoir 2/3 de vos dons cette année qui seront réduits, enlevés de votre impôt l'année prochaine. Mais pas seulement les particuliers, les entreprises également, à hauteur de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Écoutez, de toute façon, vous allez les payer. Donc soyez intelligents, donnez-les à Dieu. Soit l'État il va te les arracher, soit tu les donnes. Moi, je préfère donner que de se faire arracher. Mais ouais, chacun comme il veut après. Et puis, c'est vrai que cette année... L'église MLK, elle est tout à fait bizarre parce que chaque année, on rajeunit. Et c'est bizarre. L'année dernière, on avait 27 ans de moyenne d'âge et cette année, on est à 26. Alors, ça veut dire qu'on a énormément besoin de papy et de mamie parce que vous êtes des colonnes de prière, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous nous bénissez. Et il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on approche du temps d'aller vers le grand royaume du ciel ? Lorsque tu veux que ta vie est impactée, tu peux faire un leg aussi à l'église MLK. On n'en a jamais eu, parce qu'on est une église de trop jeunes. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de se poser des questions comme ça, est-ce que tu voudrais que ton patrimoine soit transféré pour le service de Dieu et pour que tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-petites-nièces soient bénis? Peut-être les cousins de tes... Voilà. Mais pour des choses qui valent la peine, c'est pareil. On peut transformer les dons que Dieu t'a donnés en vie. Et ça, c'est extraordinaire. Je voudrais vous dire, la semaine prochaine, vous avez le choix, pour terminer. Soit vous allez vivre un moment ici, en présentiel ou bien devant votre écran, mais vous pouvez également être en ambassade. En ambassade, ça veut dire que la Sainte Seine te manque et tu veux de la communion. Et bien, c'est très bien, c'est fait pour ça. Tu vas sur le site MLK et là, tu vas voir qu'il y a MLK ambassade. Tu cliques. Je veux vivre une célébration dans une ambassade. Ça sera le même message, ça sera en direct. Tu vas vivre le même message en direct, sauf que vous serez un groupe d'une dizaine de personnes et vous allez vous régaler doublement parce que non seulement il y aura de la nourriture spirituelle, mais il y aura de la nourriture terrestre. Et vous allez tisser des liens, vous allez prier les uns pour les autres, vous allez prendre la Sainte Seine. C'est génial en fait. C'est bien d'être dans la grande église, c'est bien d'être seul devant son écran, mais c'est aussi super d'être en communion les uns avec les autres. Voilà. Tout à l'heure, vous avez chanté de façon incroyable. Et pourtant, vous déprimiez. Mais vous avez chanté par la foi
nous sommes une génération choisie. Alors je vous laisse une dernière chance de le rechanter, mais cette fois-ci en disant « Je le crois ». Tu dis à ta voisine, ton voisin, là, tu lui dis « Tu sais que tu es choisi ?» Tu sais que tu es choisi. Elle va dire « Je le veux pas trop ». Tu es choisi. Lève-toi, tu es choisi. Devant ton écran, tu es choisi. Tu es choisi de toute éternité. Les jours de ta vie sont dans les mains de Dieu. Tu es une génération amenée à briller. Appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie. Appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Dieu me l'a donné. Il te l'a donné. Je sais qui je suis. Alors. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche. L'année 2023 touche à sa fin. Sachez que vos dons à l'église MLK réduisent fortement votre impôt sur le revenu. En effet, tous vos dons identifiés vous accordent un remboursement fiscal égal aux deux tiers de la somme de vos dons de l'année en cours.
Vous venez de recevoir ou vous allez recevoir sous peu un premier relevé provisoire qui récapitule vos dons. L'Église MLK est une association cultuelle et reconnue par l'État. Vos dons effectués en 2023 par virement, prélèvement, par chèque et carte bleue seront donc déduits de votre impôt futur. Tous les dons que vous allez effectuer jusqu'au 31 décembre 2023 seront déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu, 75% pour les premiers 562 euros. L'État vous reversera donc cette somme sur votre compte bancaire en deux temps. La plus grande partie de votre réduction sera versée le 15 janvier et le reste en août prochain. Le cycle recommencera en 2024 si vous renouvelez vos dons en 2024. Le montant exact des dons versés à l'Église MLK figurera sur un reçu fiscal définitif délivré par l'Église et transmis par voie électronique en début d'année. Il vous permettra de compléter votre déclaration en mai prochain. Ce montant sera indiqué dans les cases 7UF et 7UJ de votre déclaration 2042 RICI. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que le message de l'Évangile est transmis et transforme tant de vies. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse mail suivante don@eglisemlk.fr. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.